Voilà, deuxième partie de l'émission, nous allons parler de formation et formation spécifique et spécialisée. Ça concerne particulièrement quelques filières, l'architecture intérieure. C'est un domaine qui se développe énormément puisque les Algériens aujourd'hui, tout fiers parfois d'acquérir un logement, attendu longuement, ils sont toujours très contents d'avoir un intérieur très très agréable. Nous parlons avec ces écoles parfois privées, ces instituts privés agréés par l'État et qui proposent parfois des formations qui n'existent pas ailleurs. IPFIC fait partie de ces écoles de formation. Nous avons fait un reportage dans cette école. Vous allez écouter. Voilà, en attendant, je vous présente M. Kadri. Voilà, il y a un petit souci, hein, notre réalisateur est malade aujourd'hui, de coordination, mais il a été vite remplacé, évidemment. Alors, M. Kadri, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous. Donc, vous allez nous parler un peu des sessions de formation que vous proposez aux jeunes. Aujourd'hui, nous le disons souvent hein, dans nos émissions, que réussir dans la vie, on n'est pas obligé de passer par l'université et par des études très longues pour réussir professionnellement et même pour être parfois même d'aller très loin. Il y a des formations plus ou moins courtes qui permettent à des jeunes qui veulent entrer très vite dans la vie professionnelle. D'acquérir une formation spécialisée. C'est exactement le rôle de la formation professionnelle. Nous, IPFIC Formation, on est un institut privé agréé par l'État qui forme dans le domaine, que ce soit des formations qualifiantes courtes ou dites plus ou moins longues sur 2 ans, ou des formations diplômantes. Dans l'occurrence, par exemple, pour ce que vous allez écouter, je pense tout à l'heure, c'était plus nos jeunes qui sont en BTS, donc en diplôme de technicien supérieur en architecture d'intérieur que nous proposons. On a fini plus ou moins 2 promos. On a 2 autres promos qui sont en cours actuellement. Et le rôle principal, c'est vraiment d'être technicien supérieur en architecture d'intérieur, que je rappelle, c'est un diplôme agréé par l'État. Alors, diplôme agréé par l'État, est-ce que les formations que vous proposez existent dans d'autres, par exemple, alors, dans des écoles de formation de l'État, qui dépendent d'autres, de l'État? D'autres formations existent, par exemple, dans tout ce qui est la partie cycle qualifiant, ça existe parce qu'on fait beaucoup de formations. Il y a l'école de Kouba qui propose, par exemple, des cycles d'architecture qui sont plus orientés, on va dire, techniques de bâtiment. Dans les formations qualifiantes, il y a beaucoup de nos collègues, que ce soit public ou privé, qui le font, mais actuellement, sur le TS d'architecture, à ma connaissance, on est les seuls à le faire, et ce qui répond très bien au rôle des écoles privées qui viennent en soutien, proposer des diplômes que les centres publics ne proposent pas. Et là, on a un TS d'architecture intérieure qui est construit sur un référentiel national, c'est-à-dire qu'on forme pour le ministère de la formation professionnelle sur la base d'un référentiel qu'on adapte nous, qu'on décline en modules et en formes. Alors, c'est des formations. Cette formation-là, elle est de 24 mois avec 6 mois de stage. On va écouter justement deux stagiaires hein, qui sont en formation hein, dans votre centre. Il s'agit de Lilia, qui est étudiante en première année au niveau de l'Institut d'architecture d'intérieur. Et elle parle donc de pourquoi elle a choisi de faire cette formation. Et également, suivra le témoignage de Ryan, qui est en deuxième année, lui, en revanche. On écoute. Je suis venue à IPFIC, ça fait à peu près 2 mois et demi. C'est un métier que j'ai voulu faire, ça fait à peu près 5 ans. J'ai pas eu le bac, je l'ai passé 2 fois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des BTS. Bon, alors c'est ma tante qui m'a aidé à chercher un BTS. Et c'est un ami qui est peintre et qui lui a proposé cette école. Parce que sa fille, elle a fait la première promotion. On a commencé, on est rentré. Bon, alors là, on a à peu près 5 modules. C'est intéressant, je ne peux pas dire que ça ne l'est pas, parce que c'est quelque chose que j'aime. Il faut vraiment aimer, parce qu'il y a du dessin. Je n'ai jamais fait de dessin. Il y a ma soeur qui dessine à la maison. Moi, je n'ai jamais tenu un stylo et un papier et commencé à dessiner. Il y a de la couleur. Ça, c'est vraiment intéressant pour un architecte ou quelqu'un qui aime bien le design et tout ça. Non, on a 5 modules qui comportent la communication en français, le tracé d'architecture, l'atelier couleur, l'atelier dessin et l'informatique.
informatique. Oui, on a déjà fait des sorties avec le prof de couleur. Enfin, c'était notre première sortie. Manier les couleurs, à voir comment ça, comment elles se marient, comment on va les mélanger pour obtenir telle ou telle couleur, comment retrouver une couleur précise, comment elle va aller avec ce genre de matériel, comme on va dire le bois, les murs, le fer, ce genre de trucs. On a fait une seule sortie avec Monsieur Zerka, le prof de couleur. C'était à la foire. Ça, c'était vraiment intéressant. Les chambres, les salons, comment ils étaient faits, quelle était cette matière ou celle-là. On a une autre sortie le mercredi avec la prof d'architecture. Là, on va faire, enfin, c'est un examen. C'est une sorte d'examen où elle va voir ce qu'on a appris pendant ces 2 mois. Alors, elle dure à peu près 2 ans et demi. C'est le BTS qui dure 2 ans et demi. Moi, il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse par rapport à cette école, c'est qu'il y a un bachelor et le master. Alors le bachelor, c'est un examen qui va nous aider, enfin qui va accéder au master. Alors le bachelor, c'est l'équivalent du bac plus 3 européen. Enfin, cet examen-là, il va nous permettre, me permettre à moi et à mes amis, de passer au master, ce qui veut dire qu'on a 2 masters à passer. On va les étudier à IPFI toujours. Et ces masters-là, ils vont permettre d'avoir l'équivalent du bac plus 5. On a une maison, enfin, ils viennent de l'acheter et c'est moi qui vais faire la décoration. Pas encore, enfin, ça va être dans pratiquement 6 ou 7 mois, mais ça va, je commence à avoir des idées et tout ça. Je cherche des informations sur Internet avec les profs et ils sont d'une aide incroyable. C'est moi qui a voulu faire ça, il n'y a aucune personne qui m'a obligé de le faire. C'est pas mes parents qui ont cherché ça, c'est moi qui leur a demandé ça. Pour les maths, j'aimais pas forcément. Je faisais pas de tracé, j'aimais pas le dessin. Mon truc, c'était plus la musique et tout ça, mais c'était pas vraiment le dessin. Mais dès que je suis venue ici et que j'ai choisi de faire ce métier-là, bah, ça m'intéresse un peu plus. Chaque semaine, on a un nouveau programme, donc on peut pas dire qu'on s'ennuie, on s'ennuie pas du tout. Il y a toujours du nouveau. Voilà, il y a toujours du nouveau. Les modules, c'est les mêmes. Et on fait chaque jour, on apprend de nouveaux trucs. BTS en architecture d'intérieur. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai toujours voulu faire ça. Avant, il n'y avait pas d'école. Dessiner des plans, aménager des espaces. Oui, on a fait des sorties. On a visité pas mal de chantiers. Ici, on a visité les musées, la Casbah, enfin Gaa la Casbah, différents musées. On a même visité une pépinière parce qu'on a un module de plantes d'intérieur et d'extérieur. Uh-huh. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en faisant ces sorties dans les musées, dans les chantiers? Alors, la pépinière, c'était nous montrer déjà, enfin on avait contact avec les plantes, histoire de savoir les plantes qu'on doit mettre à l'intérieur, les plantes qui se mettent à l'extérieur. Le chantier, on a découvert les poutres, les poutrelles, c'est réel, c'est pas juste sur le dessin. On comprend mieux quand on fait la sortie, que c'est vrai que le cours, on comprend, c'est très bien, mais le fait de voir... La théorie, la exactement, pratique, ça fait c'est encore mieux. Enfin, la conception de ma maison actuelle. Une fois, la prof nous a demandé un projet. J'ai pris ma maison en modèle. Oui. J'ai fait plein de changements. J'ai apporté beaucoup plus d'espace, de lumière parce que c'était un peu c'était fermé, c'était étroit, on va dire carrément. Donc j'ai enlevé quelques murs. Pour apporter avec voilà, c'est vrai que c'est un appart, mais c'est spacieux. Voilà, mes parents, ils ont vu le projet. D'ailleurs, avant de commencer mes conceptions, j'ai parlé avec ma mère, mon père, je leur ai montré les plans. Ils ont aimé quelques idées, d'autres non. J'ai essayé d'argumenter pour les attirer vers ce que je veux faire, et voilà. C'est en clair, le magazine qui décrypte la société. Voilà, Ryan et non Ryan. Alors, on a écouté le témoignage de ces jeunes stagiaires. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Pourquoi choisirez de venir chez vous? Aujourd'hui, on sait qu'il y a pléthore d'écoles de formation publiques, privées.
qu'est-ce qu'on apporte ? Quelle est votre plus-value ? Alors, on est ici dans une formation qui s'inscrit dans un domaine qui est en même temps scientifique et culturel. C'est le propre de l'architecture. D'ailleurs, on le voit bien dans le, quand il présente un peu les modules. On est vraiment dans la technique parce qu'on est dans les métiers, on est dans l'employabilité, dans l'emploi. On pourrait en parler après par rapport à nos jeunes qui sont déjà en stage. Ça veut dire que vous leur trouvez du travail après ? Pour l'instant, on a 12 personnes qui ont fini leur examen final, qui est l'examen d'État, qui l'ont passé, et qui sont actuellement en entreprise, en stage. Et on a un très bon retour des employeurs parce qu'on fait du suivi de stage, donc on contacte les entreprises, on les visite, et actuellement, on a un bon retour. On le retrouve, oui, pour quelques-uns, on a dû un peu appeler des connaissances, on est architecte aussi de formation, d'appeler des amis, des gens déjà installés, et on a été étonnés parce qu'on a eu plus de demandes qu'on pouvait fournir de stagiaires aujourd'hui dans ces métiers-là. Parce qu'il faut vraiment voir que le technicien supérieur dans une hiérarchie, enfin dans une pyramide d'entreprise, c'est la petite main. L'architecte va concevoir le gros, mais eux, ils ont à faire l'aménagement petit, à dessiner au quotidien. Et là, on est actuellement en Algérie, on manque de ce niveau-là, au niveau des techniciens supérieurs. On est, ce que je disais, voilà, d'un côté on a la formation technique, de l'autre on a le côté culturel, l'aspect culturel, ils l'ont vu au niveau du musée, au niveau de la connaissance un peu de la culture, de la définition de soi, au niveau du problème, vraiment au niveau de la problématique culturelle. Et là j'insiste énormément parce qu'au niveau de l'équipe enseignante, on a à peu près, je vous dirais aujourd'hui, trois types. On a nos enseignants à nous qui sont plus ou moins, qui sont titulaires, on a des enseignants qu'on fait venir des autres écoles, à ce moment-là on a des intervenants qui viennent faire des vacances chez nous, je les remercie d'ailleurs, qui viennent de l'école des Beaux-Arts, de l'école d'architecture, etc. Mais on a aussi une grande partie de profs qui sont des professionnels, des gens qui travaillent en cabinet, qui travaillent en chantier, qui viennent voir nos jeunes pour leur apprendre le métier. Vous voyez, on est vraiment dans cet aspect-là d'une formation culturelle, mais qui est très orientée employabilité technique. J'y vais sur le terrain, je touche, je mesure, je relève et j'aménage. Donc ça, c'est pour l'architecture d'intérieur, mais vous assurez d'autres formations dans d'autres domaines, alors, l'informatique également, exactement. Alors sur l'architecture d'intérieur, je voudrais aussi dire, parce que la première étudiante l'a un peu évoqué, on essaye d'imaginer des cursus pour les jeunes. C'est vrai qu'on est sur des cycles lents, on est sur du TS, mais on se pose aussi la question, qu'est-ce qu'on peut faire après ? Parce que vous prenez également des étudiants avec des stagiaires avec bac. Hein. Tout à fait, on prend même des architectes qui sont complètement finis. On a actuellement un cycle qu'on appelle architecture d'intérieur qui se déroule tous les samedis sur du mois, où on est en train d'outiller des architectes sur ces métiers-là. On projette actuellement de lancer un cycle en alternance une semaine sur quatre qui se dessine aux salariés, qui pourraient aussi dans le domaine de l'architecture. Alors dans le domaine de l'informatique, qui est un peu notre deuxième département, on fait aussi des formations. Alors aujourd'hui, on propose un TS de développeur web, donc tout ce qui est graphisme, etc. Parce qu'on est aussi sur les mêmes problématiques, sur le culturel d'un côté et le technique. Parce que c'est par ce biais-là qu'on arrive à attraper les jeunes et à tirer le meilleur d'eux. Nous, on est très ravis de voir nos jeunes, parce qu'on est quand même sur des formations qui sont pointues, longues, dures, oui, pointues, mais aussi dures, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos jeunes sont là de 8h30 à 5h tous les jours de la semaine. Ils ont droit à une demi-journée, des fois ils l'ont pas, ils râlent un peu, mais bon, on est là, et on se rend compte qu'au début, ils réchignent un peu, ils disent, on n'est pas habitué à ces rythmes-là, mais on est sur des rythmes professionnels. On leur demande une attitude professionnelle, la présence est obligatoire, ils doivent justifier s'ils ont absent d'un certificat médical, etc. Le but, c'est vraiment en tout cas, d'en faire des vrais diplômes. Pas des diplômes de complaisance, c'est vraiment des diplômes là, qui sanctionnent des années d'études. Moi, je leur dis quand ils arrivent. De régularité, de. Tout à fait. Moi, je leur dis quand vous arrivez dans une école, il y a deux choses. Il y a le diplôme, il y a la compétence. Si vous devez choisir, prenez la compétence, mais le mieux, c'est de prendre les deux. C'est ça la richesse. Donc voilà, ça c'est pour il y a le côté donc des formations de qualité hein, qui vont permettre une insertion professionnelle évidemment puisqu'ils seront déjà mieux formés. Il y a des stages dans l'entreprise. Nous en parlerons dans un petit instant puisqu'il y a Leïla qui est au bout du fil. Mettez votre casque, Monsieur Kadri, qui voudrait probablement un renseignement. Bonjour Leïla. Leïla, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour Leïla. Oui. Alors, cette formation que vous proposez est nouvelle et très intéressante. Oui. Et je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient la suivre. Seulement, est-ce qu'elle n'existe qu'à Alger ? Est-ce qu'elle existerait aussi dans d'autres villes du pays ? Pour l'instant, l'école est à Alger, c'est ça. Oui, malheureusement, actuellement, nous proposons la formation à Alger. Alors,
Après, merci, ça dépend des conditions des uns et des autres. Hein, oui. Parce qu'on a parmi nos effectifs des gens qui viennent de l'intérieur. Bon, après, c'est à eux de s'organiser, ou chez de la famille, ou ils louent. Des fois, on a eu, je pense, à une fille qui vient de finir, qui vient de Bjaïa, qui était très motivée, que son père lui a loué un studio dans le quartier et qui a fini major de promo, quoi. Mmh. Que je l'embrasse d'ailleurs, Mélissa. Est-ce que ça cible une certaine catégorie quand même d'étudiants qui ont les moyens de payer cette formation, Monsieur Kadri, ou alors il y a est-ce qu'il y a des aides pour ceux qui n'ont pas les moyens? Alors, c'est vrai que malheureusement, on est une école privée, on n'est pas une œuvre caritative. Moi, j'ai l'exemple d'un étudiant qui est en première année, qui travaille le soir, qui étudie, qui a beaucoup de mérite parce qu'il finance par lui. Bon, on essaye de les aider en échelonnant leur paiement parce que forcément, il faut qu'on paye nous les profs, qu'on paye la structure et c'est une école, c'est une entreprise. Mais on arrive à échelonner leur paiement. Mmh. Ça ne coûte pas plus cher qu'une école privée au lycée ou au collège, etc. Mais après, c'est vrai que c'est une école payante et en Algérie, on a pris l'habitude un peu de l'enseignement gratuit. Alors justement, la qualité, parfois, évidemment, il faut donner un prix hein, pour avoir une formation de qualité. Ça ne veut pas dire que dans les écoles publiques hein, de formation, il n'y a pas de qualité. Pour avoir reçu souvent les représentants de ces écoles, il y a aujourd'hui une offre variée. Alors je suis très d'accord avec vous, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de la qualité ailleurs. Moi je pense par exemple à l'école nationale à Kouba, à qui on est partenaire parce qu'on est adossé à une école privée dans le système algérien, et toujours adossé à un centre de formation public qui vérifie un peu les contenus, qui fait passer les examens. Moi j'ai vu leurs étudiants par exemple projeteurs en architecture, on est sur du qualitatif. Ce que je disais au début, notre rôle à nous, c'est d'apporter des spécialités qui sont peut-être peu connues, pas très demandées. Je pense que s'il y a plus de demandes, les écoles publiques eux-mêmes ouvriront peut-être des sections dans justement, ces spécialités-là. À propos de ça, les spécialités, Linda voudrait en savoir un peu plus en dehors de l'informatique et de l'architecture d'intérieur. Linda, vous voulez savoir s'il y a d'autres formations, c'est ça? Bonjour Linda. Allô? Oui, vous êtes en direct, Linda. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Votre radio, s'il vous plaît. C'est très intéressant ce que vous dites. Votre radio, Linda, s'il vous plaît, parce que... Voilà, donc elle nous entend pas, nous on l'entendait, en plus la radio est allumée, tout ça c'est une perte de temps et on veut être efficace. Alors est-ce que justement en dehors de l'informatique et de l'architecture d'intérieur, il y a d'autres... Alors, nous, on a pris le choix de se spécialiser. C'est-à-dire que pour justement vous parler de la qualité, c'est la spécialisation. On y croit, nous, bon, peut-être que d'autres... Au jour d'aujourd'hui, on a... Peut-être que demain, on ouvrira de spécialité. Mais aujourd'hui, on a les compétences, on a le potentiel pour travailler dans ces diplômes-là. Aujourd'hui, on est spécialisé dans l'architecture, pas uniquement l'architecture, mais tous les métiers du bâtiment. Par exemple, en qualifiant, on fait de l'électricité, on fait de la topographie. Ah, mais on est dans le BTPH, on est dans le bâtiment et dans l'informatique. On va aller la même demande dans... est très forte, justement, d'une main-d'œuvre qualifiée. Tout à fait. Mais au jour d'aujourd'hui, on propose ces formations-là essentiellement en formation qualifiante, pas en diplôme. En diplômant au jour d'aujourd'hui. Alors, formation qualifiante, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas le bac et qui... Non, formation qualifiante, ça veut dire qu'il y a, à l'arrivée, il n'y a pas de diplôme d'État. Oui, ça aussi, voilà. Mais généralement, les conditions d'accès, c'est sans bac. Alors, non, c'est essentiellement des salariés en reconversion ou en employabilité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez que, par exemple, au niveau de l'université, beaucoup de jeunes qui sortent, qui arrivent en entreprise, n'ont pas les outils pour travailler. Alors, tu as les employeurs qui se plaignent un peu, et on a certains qui reviennent vers nous pour travailler un peu sur l'outillage de ces jeunes-là. Et là, on va travailler avec eux sur... Par exemple, dans le bâtiment, qu'est-ce que vous apprenez à ces jeunes dans les formations diplômantes Alors, par exemple, quand on revient dans le qualifiant, on a par exemple tout un module de gestion de projet. On sait que par exemple dans les écoles d'architecture, cette partie n'est pas prise en charge. Leur apprendre à mieux gérer leur projet, à manager leur projet, à le découper en phases, à le découper en tâches, à gérer tous les intervenants dans un projet, c'est une demande des entreprises aujourd'hui. Leur apprendre par exemple à travailler sur des outils efficaces, je pense par exemple à des logiciels type Revit ou autres, c'est aussi notre rôle à nous. Leur apprendre à respecter des chartes graphiques, ça je parle des qualifiants. Par contre, nous,
nous, nos jeunes, on essaye vraiment de leur introduire ça dès le début. Nos TS, par exemple, ont un module de gestion de projet, ont un module de réglementation. Ce qui peut être aujourd'hui, ce qui peut être doit changer dans l'esprit, puisque souvent on a parlé d'emploi, etc. Et je vous assure que la semaine où on a fait de l'emploi, moi, dans la page Facebook de l'émission, il y a beaucoup de jeunes qui nous ont envoyé leur CV. Et je tiens à rappeler que s'il y a des recruteurs hein, qui veulent, qu'ils mettent un peu sur la page Facebook de l'émission ce qu'ils proposent, parce qu'on a une longue liste de CV, des jeunes qui veulent trouver du travail et travailler dans le marché du travail. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudra introduire cette idée qu'on, si on a fait une formation et qu'on n'a pas trouvé de travail dans la formation, etc., on peut se convertir, on peut faire autre chose, on peut suivre une formation qui... Alors, nous, on y croit fondamentalement, c'est-à-dire que la formation, c'est la clé de l'emploi. Je prends par exemple l'exemple de la formation qu'on lance à partir du mois de décembre qui s'appelle le DESE, diplôme d'études spécialisées en architecture d'intérieur, qui pour nous, on a exigé un niveau d'entrée à Bac+3 dans le domaine. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait fait par exemple une licence en génie civil, une licence dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'il a les fondamentaux du dessin, on est capable, on prétend le convertir vers ces métiers-là. Et là, à la clé, Inch'Allah, un boulot, un stage ou un stage. Surtout que l'emploi se fait dès la formation. On est sur des formations, on essaye d'imaginer de l'alternance. Mmh. C'est-à-dire une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, de manière à ce que l'entreprise et l'école travaillent sur la construction de cet employé. Est-ce que les entreprises jouent le jeu ? Il y en a quelques-uns qui jouent le jeu. Nous, on a eu l'expérience en master, par exemple, sur nos stagiaires qui sont une semaine chez nous, 3 semaines en entreprise. Beaucoup, ils sont satisfaits parce que là, ils leur rapportent un air frais, ils leur rapportent un recul qu'ils n'ont pas s'ils restaient tous les jours. Mais vraiment, le thème de l'employabilité est un thème très important. Je trouve qu'on ne l'aborde pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on ne l'aborde pas par la formation au service de l'emploi. La formation pour, on est dans un pays qui se construit, qui est un pays jeune, beaucoup de jeunes, et les cycles courts devraient être valorisés plus et connus plus. C'est-à-dire qu'il y a la notamment face, dans la société. Parce que notamment souvent, dans la société. Alors, il faut qu'on sorte aussi du BTS comme étant un sous-diplôme. Oui, voilà. Là, vraiment, on aborde aussi l'aspect culturel. Qu'au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup de parents, il a échoué, il va faire un TS. Ouais. Mais non, le TS peut être un choix. On a écouté la première Lydia. Lydia, elle a voulu faire l'école. Ses parents n'étaient pas très pour. C'est-à-dire que, bon, tu vas faire de l'architecture. Mais elle avait envie de le faire. Bon, moi, je disais à leurs parents, moi, je vous garantis une compétence derrière, mais laissez-la. Il vaut mieux qu'il y ait des gens qui s'épanouissent par le travail, qui sont là, qui sont en train de faire des choses. Et la décoration d'intérieur et architecture d'intérieur, c'est pas seulement décorer les appartements, oui, des maisons, hein, des alors, hôtels. C'est très large, c'est très très large. Ils peuvent aller sur des hôtels, sur du tertiaire, sur le lieu de travail, sur l'événementiel, sur par exemple les expositions, les foires, les stands. Ils peuvent aller sur beaucoup de métiers. Il y a une large, en tout cas, mais large c'est vraiment des métiers culturels. On leur demande de lire beaucoup, de consulter beaucoup de revues, d'aller sur Internet, de voir, et on est très exigeant. Faut avoir du goût également. Ça se construit. Oui, ça se construit énormément. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Le il y a l'inné, il a acquis, mais là, on va se lancer dans un autre. Parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui sont de mauvais goût, un peu, hein, quand on voit ce qui se fait parfois dehors. Le mauvais goût est un jugement de valeur aussi. C'est-à-dire qu'après, il y a le client. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de leur apprendre qu'il y a une commande de client, qu'il faut connaître son client. Là, on va se lancer sur autre chose. Et connaître son client, ça fait partie justement de la gestion de projet, c'est pouvoir répondre au mieux. S'ils répondent ce que l'on est le bon goût et le client derrière, c'est un autre goût, bon, là on est vraiment. Et on leur apprend justement à dépasser ça. Mais par contre, on leur apprend à vendre leur projet, c'est-à-dire qu'à défendre avec des arguments culturels à un client qui, entre guillemets, ce que vous êtes en train de dire, n'a pas peut-être le bon goût. Oui, le bon goût. Voilà, il est 10h54. Si vous voulez tout savoir, en tout cas pour ceux qui nous demandent un peu le nom de cette école et l'adresse de cette école, on va la mettre sur notre page Facebook de l'émission. C'est l'école Lipvic Formation. Hein. Donc, il y a aussi votre site internet. Il y a notre site internet et notre page Facebook, donc www.lipvic.com et facebook.com/lipvic.lg, où on met toute l'actualité. On essaye de faire, par exemple, sur le Facebook, on s'est rendu compte aujourd'hui, nous, on essaye, par exemple, de publier énormément sur l'architecture.
l'architecture d'intérieur, sur les métiers, parce que ça permet à nos étudiants, ou même à nos gens qui consultent cette page-là, où il y a à peu près, je crois, 30 000 fans qui viennent sur la page, c'est parce qu'on essaye aussi de ramener ce qui se publie ailleurs dans le domaine, et ça leur permet au fait d'avoir une ouverture d'esprit aussi. Voilà, je vais venir me convertir, ça doit être beaucoup plus reposant de faire de l'architecture intérieure. Le bâtiment, c'est pas sûr que ce soit reposant après le chantier, hein, mais bon, à voir. La création, c'est... La création, merci beaucoup, il est 10h55, on se retrouve demain à la même heure.